J'adore la planche à neige. Salut, moi c'est Jay. Je suis un petit tripeux de Laurentide qui adore avoir les pieds sur son snowboard. Ça m'aide souvent à me recentrer sur moi-même parce qu'oublier mon board sur le top de ma valise, c'est quelque chose d'assez commun dans mon quotidien. En d'autres mots, je suis TDAH. Ça a toujours été comme ça. J'ai appris à vivre avec. C'est juste que des fois, on peut dire que ça me nuit un peu. En passant des coachs de vie à l'huile essentielle de coco, j'ai à peu près tout essayé. Il n'y a rien qui fait effet sur moi. Salut! Salut! Est-ce que je peux t'aider? Je viens de chercher une petite bouteille de vin. Dans le fond, moi, je me considère comme un amateur, mais assez confirmé, tu sais. Mettons que j'aime bien ça, boire du juice. Ouais, viens, je vais te montrer notre sélection. Donc, c'est ça, je me cherche une bouteille à biodynamie avec du caractère, mais pas vif. Je passe sur une note de ferme, mais pas très austère. Et surtout, sans sulfite. J'ai le vin qu'il te faut. Il vient du domaine des Pays d'en haut. Son nom provient d'une légende du coin, le Petit Mirou. Te voilà, Jérémy. Bien content de te rencontrer. Nous sommes ici puisque nous incarnons la philosophie du Yamuni. Nous t'avons fait suivre ce chemin puisque nous avons remarqué un débalancement dans ta paix et ta quiétude d'esprit. C'est pourquoi nous te présentons au Yamuni. Il est donc primordial avant tout que tu te vides de toute mauvaise énergie avant de commencer ton chemin vers la philosophie du Yamuni. Le Yamuni est une philosophie ayant pris naissance dans les lointains pays d'en haut. Cette philosophie est basée sur le respect de quatre principes fondamentaux. Le premier concerne l'équilibre des corps qui assure le juste balance dans la vie des individus. Le second concerne la force à sa plus grande puissance. Le troisième réside dans la résistance à la douleur qui est primordiale afin de passer outre les passages ardus de la vie. Évidemment, le dernier principe est la concentration du Saint-Esprit. Que ta quête vers le Yamuni règle tous les problèmes de ta sérénité intérieure. Force à toi. La concentration. Le premier concerne l'équilibre des corps. Le second concerne la force à sa plus grande puissance. Le troisième réside dans la résistance à la douleur